Bonjour et bienvenue à tous pour cette messe. Aujourd'hui, nous vénérons la vénérable Marthe Robin. Rien ne prédisposait cette jeune femme de la campagne dromoise à devenir un des personnages centraux du renouveau spirituel de l'Église en France. Elle est née en 1902, traversant le XXe siècle. Marthe Robin rayonne d'un amour qui transfigure son existence. En 79 ans, d'une vie marquée par la maladie et une paralysie progressive de tout son corps, elle témoigne que l'amour est plus fort que la souffrance. Au fil des ans, plus de 100 000 visiteurs se pressent à son chevet, à Châteauneuf-de-Galaure, dans sa maison, dans sa chambre, touchés par son cœur aimant, attentif, qui rend Dieu présent et conduit à lui, tout simplement. Marthe a souffert beaucoup et longtemps. Pendant 63 ans, l'encéphalite qui l'a frappée progresse par périodes, puis semble perdre du terrain, avant qu'une nouvelle poussée ne la laisse plus malade qu'auparavant. Peu à peu, le bruit se répand que dans cette chambre sombre d'une ferme de la Drôme, une jeune mystique accueille avec bonté les soucis et les épreuves de chacun, dispensant conseils et encouragements. Les foules affluent, Marthe transforme sa douleur en empathie pour les autres et ses visiteurs viennent trouver auprès d'elle la consolation. Beaucoup d'entre eux vivent même une authentique expérience de conversion. Marthe Robin n'a jamais pu quitter la chambre de sa maison natale de Châteauneuf-de-Galaure. Pourtant, aujourd'hui encore, des milliers de gens aux quatre coins du monde s'inspirent de son exemple et trouvent dans la voie spirituelle qu'elle a ouverte une nourriture pour leur vie. Un paradoxe que l'on peut rapprocher de celui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse de Lisieux, dont c'est l'année jubilaire, qui n'étant jamais sortie de son couvent est devenue la patronne des missionnaires. De l'extérieur, la vie de Marthe semble inutile et pire encore, absurde, mais elle est transfigurée par l'amour. Reçue de son union avec Dieu et généreusement dispensée aux autres, elle est à l'origine d'une immense œuvre dont les foyers de charité sont la partie la plus visible, perpétuant la mission d'accueillir simplement et chaleureusement ceux qui cherchent une halte pour retrouver le sens de leur vie. Chez Marthe Robin, c'est dans la faiblesse et la fragilité que s'est déployée la puissance de Dieu, et c'est là qu'on peut vivre une retraite spirituelle en silence pendant 5 jours avec enseignement et sacrement pour être renouvelé. Comme la Vierge disait à Marthe, il faut 5 jours pour renouveler une âme. Alors à ceux qui désirent le vivre, eh bien rendez-vous au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galaure dans la Drôme. Et puis ce sera l'occasion aussi de fêter Paul Mickey et ses compagnons martyrs que le Père vous parlera. Mais tout d'abord, nous allons commencer en chantant « Marthe, comment vous dire merci ?» Quand on entrait chez vous, un peu intimidé, votre simplicité faisait presque oublier que le ciel était là et les anges et les saints, vous étiez bien présente, attentive à chacun, pour votre récit clair, votre joie lumineuse, source limpide offerte aux âmes assoiffées. On arrivait bien lourd, on partait relevé, on avait déchargé sur vous tous les fardeaux. Marthe, comment vous dire merci ?
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous sommes en communion de prière avec tous les foyers de charité et qui fêtent en ce jour la transition de la vie sur terre de Marthe Robin en vie éternelle. Et nous faisons aussi mémoire de Paul Micky et de ses compagnons martyrs. Le 5 février 1597, 26 chrétiens furent crucifiés à Nagasaki, au Japon. Parmi eux, des missionnaires européens, jésuites et franciscains, mais aussi des religieux japonais, tels Paul Micky, et 17 laïcs, des catéchistes, des interprètes, des médecins et même des enfants. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, force de tous les saints, tu as appelé les saints martyrs Paul, Micky et ses compagnons à entrer dans la vie en passant par la croix. Accorde-nous à leur intercession la force de garder jusqu'à la mort la foi que nous proclamons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont en dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit,
qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laudato si. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Tu as pour manteau la lumière. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Dans le feuillage, on entend leur cri. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. De tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Laudato si, omni Signore. Alléluia, 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 alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
au risque d'être un peu long, je m'attarderai aujourd'hui sur la première lecture, sur le premier jour de la première lecture. Au commencement, ou en un commencement. On pourrait aussi traduire en tête, ou dans le principe, au principe. Il faut comprendre ce mot soit comme le commencement d'un temps chronologique, soit le fondement qui concerne tous les temps. La notion de commencement induit que plus le temps passe, plus on s'en éloigne. Tandis que le mot fondement est plus permanent et plus on s'en approche, plus il s'approfondit, sans jamais pouvoir l'atteindre. Et c'est pour nous l'occasion d'une première question. Comment passons-nous de commencement en commencement? L'expression n'est pas de moi, saint Hippolyte de Rome. Comment ou qu'est-ce qui fonde notre existence? Ainsi, ce n'est pas seulement vers le début qu'il faut chercher, mais dans la source qui ne cesse de couler dans notre existence. Commencement, fondement, Dieu. Dieu, au singulier ici, mais on verra au verset 26 demain, nous ferons. Dieu est à la fois l'unique et plusieurs. Singulier et pluriel. Et Jésus dira, le Père et moi, nous sommes un. Le multiple s'origine dans l'unique. Le multiple n'efface pas l'unique. L'unique n'est pas le premier, il est l'unique. Et à la fin de notre de ce rythme de chaque jour, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Jour 1. Jour unique. Donc, au commencement, Dieu créa. Seul Dieu crée dans tout le Premier Testament. Alors, les discussions théologiques pour savoir si c'est à partir des matériaux préexistants ou si c'est à partir de rien, n'intéressent pas. Ce que je retiens, c'est que créer décrit quelque chose de divin. Et cet acte de créer, à partir du deuxième verset, cet acte de créer passe par des paroles, c'est des actes de nomination. Comme si créer, c'était de faire advenir au visible ce qui est invisible, ce qui n'est pas perceptible. En ce sens, on est très proche de l'action de l'artiste ou du poète qui ne travaille pas à reproduire un modèle, ça c'est plutôt l'artisan ou le copiste, mais qui fait apparaître dans son œuvre, à partir de la peinture, du bois, de la pierre ou dans le tissu des mots, quelque chose. Comme une révélation, une illumination, c'est-à-dire
ce qui passera, c'est d'ailleurs ce qui se passera au jour 1. On va le voir dans un instant. Donc retenons que cette création est une révélation, une illumination. On pourrait dire peut-être une apparition. Dieu crée le ciel et la terre. Alors, en hébreu, le ciel se dit toujours au pluriel. Je ne sais pas pourquoi la liturgie a traduit le ciel, parce que c'est les cieux. Non. Mais bref, ce n'est pas le ciel tel que nous le voyons autour de nous. Ça, c'est au deuxième jour qu'il sera créé. Mais on dirait plutôt que Dieu crée ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et nous retrouvons cette même conception dans la prière du Notre Père, Notre Père qui est aux cieux. Ça ne veut pas dire qu'il est dans les nuages, ça veut dire qu'il est en haut. Et la terre, continue au verset 1, la terre était informe et vide. Qu'est-ce que c'est que cette terre, alors qu'elle ne va apparaître comme créée qu'au deuxième jour? Non, troisième jour, pardon. Là aussi, le mot hébreu qui est utilisé, c'est tohu bohu, qui est passé en français, avec ce sens de confusion, de tintamarre. Elle est rendue liturgiquement par informe et vide. Retenons plutôt ce qui ne peut pas être discerné. L'invisible, l'inachevé, le non discernable, voilà. Et dans ce non discernable, il y a l'abîme. L'abîme, c'est ce qui est le plus profond du profond. Là encore, on le voit quelquefois dans des textes qui disent l'abîme du fond des mers. Mais non, c'est encore plus profond parce que cette profondeur-là est spirituelle. Donc il y a l'en haut, il y a l'indiscernable et il y a l'abîme. Et il y a le souffle de Dieu. Cette respiration, cette vie, la respiration de Dieu exprime sa présence. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu, le souffle de Dieu va éveiller une parole. Dieu dit. L'importance de la parole. On est au tout début, hein, je le répète, l'importance de la parole. La création de Dieu est placée sous le langage. Dieu dit. Et Dieu
que la lumière soit. La lumière fait éruption dans les ténèbres. Elle tranche dans les ténèbres sans que celles-ci disparaissent. Dieu ne crée pas les ténèbres. Mais à partir du moment où Dieu crée la lumière, automatiquement les ténèbres apparaissent, l'obscurité apparaît, l'ombre apparaît. Et le prophète Isaïe, on l'a entendu il y a quelques jours, le prophète Isaïe va reprendre cette image. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Et saint Jean, dans son prologue, va reprendre cela, un autre commencement, on y reviendra. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Voilà donc que Dieu fait advenir, révèle la lumière. Mais les ténèbres apparaissent. Bien, je le répète, qu'il ne le crée pas. Et on verra que c'est très important quand on arbore. Quand on abordera la question du mal. Oui, cette lumière est bonne. La lumière divine est un bienfait. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, si Dieu commence par voir le bienfait de la lumière, c'est pour nous inviter, nous aussi, à entrer dans cette bienfaisance de la lumière divine. La lumière qui n'est pas là pour éclairer. Le soleil et la lune arriveront plus tard, au quatrième jour. Ici, c'est une lumière divine, là encore. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour, jour 1. Quand familièrement on définit un jour, on dirait plutôt, il commence le matin, avec le lever du soleil, et puis se termine le soir. Dans la tradition juive, on va du soir au soir du lendemain. Mais ici, surprise, on va du soir au matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce n'est pas, là encore, notre temps chronologique, c'est un passage de l'obscurité à la lumière, passage des ténèbres à la présence illuminante. Et car regardons bien ces premiers versets dans notre cœur, parce qu'ils sont fondateurs de, non seulement de la suite du texte, je n'ai pas le temps de le développer, mais de toute notre vie. Alors, ne cherchons pas une réalité historique, jour 1, jour 2, jour 3, il y a X millions d'années, non. Comprenons que dans le fondement, dans tous nos commencements, Dieu crée, Dieu illumine, Dieu révèle
que ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, ce qui est indiscernable, est présence vivifiante, respirante de Dieu, et que Dieu est la source de la lumière, qu'il nous invite à contempler cette lumière et à vivre chacune de nos journées comme si c'était le premier jour. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, pour qu'à l'exemple des saints martyrs, en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Paul Miki et de ses compagnons. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Marthe Robin. Souviens-toi des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Souviens-toi de Désiré et des défunts des familles d'Iponio et Nianou. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Georgette et les familles d'Iponio et Nianou, sur les membres des foyers de charité. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui ne fait qu'un avec Dieu, le Créateur, le Père. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nourris du vrai pain du ciel et rassemblés en un seul corps dans le Christ, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de n'être jamais séparés de son amour, mais de surmonter toutes nos épreuves en aimant celui qui nous a aimés, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous poursuivons toujours avec une prière de Marthe Robin, ô Marie, ainsi que celle à Saint-Joseph. Toutes les prières entendues et chantées ce jour sont celles de Marthe Robin. Ô glorieux Saint-Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous. Et sanctifie nos familles. Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs, priez pour nous. Vénérable Marthe Robin, prie pour nous.